Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la préparation de mon repas du soir qui comprend une recette de poulet aux légumes accompagnés de cheveux d'ange, encore appelé vermicelle, et une recette de gâteau à l'orange. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Tous les ingrédients sont notés en barre d'infos, donc vous aurez tous les ingrédients pour les différentes recettes en barre d'infos. Une fois que j'ai découpé tous mes ingrédients qui comprennent les oignons, le poivron, le persil et les carottes, je vais aussi rajouter des courgettes, mais que je vais découper beaucoup plus tard dans la vidéo. Je vais mettre une marmite sur ma cuisinière, je vais rajouter un peu d'huile. Ensuite, je vais faire revenir des oignons, des poivrons et je vais aussi rajouter mes épices telles que le persil, le paprika, le curry, l'ail en poudre, du bouillon de légumes et du poivre. Je vais bien remuer tout ça ensemble, je vais assaisonner et je vais rajouter mon poulet. Là, j'ai rajouté du poulet, donc je vais bien remuer tout ça ensemble, puis je vais ajouter les carottes. Je vais encore remuer ensemble quelques instants et je vais mettre de l'eau, puis je vais passer à l'accompagnement. Comme je vous ai dit beaucoup plus tôt dans la vidéo, l'accompagnement pour ce plat serait des cheveux d'ange. Pour faire cette recette, j'ai pris une marmite à deux compartiments. Donc là, je vais faire les cheveux d'ange à vapeur. Pour ça, je vais rajouter un peu d'huile. Je vais bien mélanger le tout ensemble de telle sorte que l'huile puisse entrer sur chaque cheveu d'ange ou sur chaque pâte ou chaque vermicelle. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais moi, sur le plastique dans lequel c'est venu, c'était écrit cheveu d'ange. Donc, j'appelle ça cheveu d'ange. Donc, après avoir tout remué ça ensemble, puis je vais les mettre à cuire sur la marmite qui est déjà au feu.
une fois que j'ai mis mes vermicelles à cuire et que j'ai un peu nettoyé mon plan de travail, là, je m'attaque à ma recette de gâteau à l'orange. J'avais des oranges à la maison depuis avec lesquelles je devais faire du jus d'orange. Donc là, j'ai profité, vu que j'étais en cuisine, j'ai fait du jus d'orange. Comme vous avez vu plus tôt, j'ai d'abord lavé les oranges, ensuite je les ai découpées. Une fois que je les ai découpées, je me suis rendu compte que les oranges étaient très juteuses et que j'aurais une bonne quantité de jus. Du coup, je pourrais faire un gâteau à l'orange aux enfants. Et c'est pourquoi j'ai retiré du zeste d'orange pour faire ma recette de gâteau avec. Donc là, je vais presser mes oranges à l'aide de ma fille. Elle adore lorsque j'utilise cette machine. C'est une machine de Breville, pour ceux qui seraient intéressés. C'est un presse-agrumes de la marque Breville et il est très efficace, surtout pour les agrumes. Donc, je vais une fois presser tous mes oranges et j'aurai une bonne quantité de jus. Puis, je vais retirer mes vermicelles que j'ai mis à cuire. Je vais badigeonner de l'eau dessus. Je vais bien mélanger tout ça et je vais remettre à cuire. Cette opération, je vais la répéter au moins 3 à 4 fois durant la cuisson des vermicelles. Pour cette recette de gâteau à l'orange, j'aurai besoin de 3 œufs, 200 ml de jus d'orange, 160 g de sucre, 150 ml d'huile de cuisson, 250 g de farine, 15 g de levure chimique et du zeste d'orange. J'aurai aussi besoin de 300 ml de jus d'orange et 50 g de sucre pour faire le sirop avec lequel je vais imbiber le gâteau à l'orange après la cuisson. Mélanger tous ces ingrédients à l'aide de mon batteur KitchenAid, j'avais vraiment pas envie de le faire à la main, mais vous pouvez le faire à la main, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc je vais faire tout ce petit mélange. Je vous précise que je vais rajouter la levure chimique à la fin, mais pas à l'aide du batteur, je vais le faire à l'aide de ma petite spatule. Ensuite, je vais mettre ma préparation dans un moule que j'ai préalablement beurré, puis je vais mettre au four. Je vous précise encore une fois que tous les ingrédients pour cette recette seront inscrits à barre d'infos, donc vous aurez tous les ingrédients pour les recettes qui seront dans cette vidéo en barre d'infos. Là, je fais la préparation de mon sirop qui est composé de 300 ml de jus d'orange et 50 g de sucre. Je vais les mettre ensemble. Après, je vais bien remuer pour faire dissoudre le sucre et je vais mettre tout cela au micro-ondes. Mais vous pouvez toujours mettre dans une marmite allant au feu. C'est à vous de voir.
Une fois que je mets ça au micro-ondes, je vais encore une fois de plus retirer mes vermicelles que je vais badigeonner d'eau. Je vais mélanger tout. Ensuite, je vais remettre à cuire. Mais avant de remettre à cuire, vu que les vermicelles sont bientôt cuits, je vais mettre mes courgettes dans ma sauce de poulet aux légumes. Là, ma sauce est prête et mes vermicelles aussi. Donc, je vais retirer mes vermicelles et ajouter du beurre pour qu'il ne colle pas. Donc, je vais rajouter du beurre. Vu que les vermicelles sont chaudes, le beurre va fondre dans les vermicelles. Donc, je vais remuer bien cela tout ensemble. Je vais rajouter aussi un peu de sel pour, vu qu'il n'était pas assez salé. Et le beurre que j'ai ajouté, c'était du beurre non salé. Donc, je remue bien tout ça ensemble. Je remets à cuire et là, tout est prêt. Le gâteau que j'ai mis au four, lui aussi, il était déjà prêt. Donc, je l'ai retiré. À l'aide de deux pics à brochette, je vais faire plein de trous sur le gâteau. Encore chaud, s'il vous plaît. Ensuite, je vais verser mon sirop d'orange dessus en faisant un peu quelques petites ouvertures à l'aide des pics à brochette afin que le jus puisse aller en bas du gâteau. Parce qu'une fois que j'ai mis le sirop au-dessus, je me suis rendu compte que ça ne descendait pas ou bien que le gâteau ne l'aspirait pas. Donc, je vais faire quelques petites ouvertures pour permettre au jus d'aller en bas et qu'il s'imprègne bien du gâteau. Je vais laisser ça reposer quelques instants, puis je vais passer au nettoyage de ma cuisine. Pour ceux et celles qui me découvrent via cette vidéo, déjà je vous remercie d'être sur ma vidéo. Je vais prendre la peine de me présenter. Je suis Michelle, maman de deux enfants. Sur cette chaîne, je partage avec vous ma vie de maman, mes motivations au ménage, de la décoration, quelques vlogs, à peu près mon lifestyle de maman. Donc je vous prie de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci de commenter, de me laisser plein de pouces bleus car comme je vous l'ai dit, les pouces bleus ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos et cela ça ne peut se faire que grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser plein de commentaires de ce que vous pensez de mes vidéos, de mes recettes comme la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de recettes, donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux recettes, si vous les avez essayées, qu'est-ce que vous en pensez et si je peux améliorer les recettes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui aussi, n'hésitez pas à me le dire, laissez-moi plein de pouces bleus, partagez ma vidéo pour m'apporter plein de nouveaux abonnés, je compte sur vous pour agrandir ma communauté et surtout je remercie déjà ceux qui sont avec moi ici depuis le début de cette petite aventure. Alors, je vais profiter pour nettoyer les différents foyers de ma cuisinière. Comme j'ai une cuisinière à induction, je vais retirer les spirales ainsi que les protections. Je vais les tremper dans du bicarbonate et du vinaigre. Le foyer principal, je ne vais pas le retirer parce que lui, je le lave presque tous les jours. Donc, il n'était pas très sale. Je n'avais pas fait les autres depuis un moment, mais lui, je le lave presque une fois par semaine. Donc, je n'ai pas eu besoin de le nettoyer aujourd'hui. Là, je vais, comme je vous ai dit, j'ai trempé les autres dans du vinaigre et du bicarbonate. Je vais nettoyer la cuisinière. Ensuite, je vais aller m'occuper des spirales et je vais les remettre. Mais avant de les remettre, je vais les essuyer. Donc là, c'est juste une petite motivation au ménage. C'est toujours important de faire du ménage directement dans la cuisine une fois qu'on a fait à manger. Moi, par exemple, actuellement, j'aime faire le ménage une fois que j'ai fini de préparer parce que lorsque je m'assois pour manger, ça devient compliqué pour moi après de revenir à la cuisine faire tout ce grand ménage. Pourtant, lorsque je fais mon ménage, une fois que j'ai fini de faire à manger, je sais qu'après avoir mangé, j'ai juste les assiettes avec lesquelles on a mangé que je dois nettoyer et ça c'est moins de travail et surtout qu'après avoir mangé, je dois entrer dans la routine du soir avec les enfants, les mettre au lit et tout. Donc je préfère une fois lorsque je fais à manger à la cuisine, je nettoie comme ça j'ai moins à faire à la cuisine après avoir mangé.
C'était à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que vous essayerez les recettes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Donc après avoir fait mon ménage, je suis allée, j'ai démoulé mon gâteau et je l'ai coupé. Comme vous pouvez voir, il était tellement bon. Je vous assure, les enfants ont adoré ce gâteau. Il était exquis. Je vous prie vraiment de refaire cette recette. Comme vous avez vu, elle n'a rien de compliqué. Elle est toute simple. Ensuite, je vais me servir pour aller manger. Je suis désolée, j'avais pas le temps de faire un plat très bien décoré pour vous donner envie et tout ça. J'avais tellement faim que j'ai directement servi comme ça. Puis je suis passée à table avec les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et on se voit très bientôt.